Ok. Bienvenue dans l'épisode 3 de Trouve le gâteau. On a encore une fois fait appel à la meilleure pâtissière de Realistic Cake au monde. J'ai nommé Red Rose Cake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est en collaboration avec M&M's. Très content de ce partenariat et vous allez le voir à la fin de la vidéo. On a prévu une épreuve un peu particulière. Ça va être très très chaud. Je pense que c'est ça, c'est bon. Ça, non, c'est pas encore. Il est extrêmement dur ce gâteau. On croque un truc. Voilà, c'est le bon. Oh, ça sent bon. Il va y avoir McFly et Carlito contre GMK et moi. Mais on n'est pas tout seul aujourd'hui. Ok, let's go. Écoute. Oh là là, ok, ils nous ont fait un concert. Ouais. McFly, Carlito, trouve le gâteau, mon ami. Là, c'est parti, les 30 secondes. Imagine, c'est une caméra, le gâteau. Attends. J'ai le droit de rien toucher, c'est ça, je peux pas toucher. Va falloir pointer. David, faut pointer. Non, attends. Putain. Pointe le sac par terre. Mais non, mais on peut pas pointer différent, on doit pointer mibou, même. Mibou. Croquer, croquer. Ah. Eh non, ce n'est pas un gâteau raison. Ils vont jamais y arriver. C'est ça, mec. C'est ça, mec, c'est regardez, sûr. C'est regarde. J'ai des gros doutes sur cette boule noire, empruntée à Motus, probablement. C'est elle, le gâteau, c'est elle, croque. 100%. Croque. Vous m'autorisez? Mais non, mais mec, t'es en ouf. Salut, ça va bien, mais pourquoi il y a des balles de tennis? Ça n'a aucun sens. Let's go. Let's go. Regarde ce qu'ils font, ils cherchent même pas. Tout le monde. Et non. Faut qu'on les aide à un moment, non? On va les aider. La balle de tennis, ce serait trop facile. La roue. Putain, il y a une taille différente. La roue. Il y a une taille c'est différente. C'est la roue, mec. C'est la roue, mon gars. On en est où, là, de la recherche? Je crois qu'on a quelque chose. Vous avez quelque chose? Écoutez bien le son, hein. Oh, c'est ça! On a raison! Allez-y. Circonférence, périmètre, pas conforme. Allez, vas-y, t'y es presque. Voyons voir si t'es un génie jusqu'au bout. Croque-moi ça. Ah, ouais, oh, la bonne idée. Elle est dingue, la roue. C'est du génie, non mais ce concept est fou. Est-ce qu'on peut tremper la roue dans un petit thé, une petite infusion? Bien sûr, tu trempes la roue où tu veux. Oh. Putain, la sensation est folle. C'est ouf, hein. Elle est hyper bien faite. C'était perturbant, la musique et bah tout, oui, et tous les gens qui dansent. C'était le but. Oui. C'était le but. Vous diriez qu'on a trouvé plutôt vite ou... Ah, en 3-4 croquages? Franchement, on a croqué de la merde. Hein. J'ai croqué une balle de ping-pong qui était peinte. Pas que de la merde, j'ai croqué un humain quand même. Oui. Mais le doute était permis. Bravo les gars. Merci. Ils ont quand même mis la barre haute. Parce que je pense pas que j'arriverai à trouver aussi vite que vous. Bah, nous, c'est facile, on a fait un gâteau, c'est un petit non, truc. Mais je... On s'est réunis, on est plutôt fiers de nos trouvailles. Donc pour aller dans ton sens, ouais, tu vas en chier. On va passer au lieu suivant. Hein. Qui veut du gâteau? Vous voulez que je vous serve? Ben oui. Oh, ça marche! Bon appétit, tout le monde! Maintenant, ça va être à nous de chercher avec GMK. On va croquer tout ce qui bouge. Surtout l'arrêt de Carlito. Ouais. Très bien. Incroyable. Un fondant au chocolat, frérot. Let's go, les gars! Vous en avez pensé quoi de cet after? Il faut savoir que, hormis un petit FaceTime qu'on a eu ensemble, on se connaît pas du tout, donc on découvre GMK en vidéo. C'est toujours des et moments particuliers. On découvre cet homme juste à droite aussi, hein. Ah, il se connaît. C'est fou de faire ça. C'est un peu pareil pour moi, on échangeait que sur Insta. Là, hier, on a tourné un truc ensemble. C'est un amour, GMK. Ça se sent dans les vidéos, je trouve que ça transpire. Il est pas convaincu, lui. Moi, j'imagine déjà la taille de ses merdes, dans un premier temps. Ouais. Et ensuite, il a sûrement des vis. Quoi, bricolage, ta grand-mère. Je comprends. Je suis si heureux de ce rassemblement dans ce van. Je m'inquiète quand même de ce que je vais croquer dans pas très longtemps. Si tu savais le nombre de choses qu'on se fait refuser par la prod. Oui. J'aurais adoré, genre vraiment, t'arrives dans une salle et il y a plein de merde au sol. Et il y en a une, c'est un gâteau. C'est à ça que je pensais quand je disais que je me mets. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice, un petit truc, où est-ce qu'on se dirige? Est-ce qu'il y a une vibe? Est-ce qu'il y a une atmosphère, une émotion, quelque chose à se mettre sous le coin de la dent comme un M&M's qui croque? J'aurais tendance à dire... Oh, la voix normale.
J'aurais atteint d'un chadique. Le lieu est magnifique. Il y a un truc que t'as pas chez Carlito encore. Il a une très haute estime de lui-même. Mais ça se voit que c'est un être supérieur un peu. Voilà. Je vois ça à la forme de sa tête, à tout. J'ai rien fait de mal. Là où on va aller, ça, pour les gens qui connaissent bien Carlito, ça parle, ça raconte quelque chose sur lui. C'est magnifique ça, putain. C'est magnifique. C'est ça qu'on veut. Moi je l'ai pris pour ça, JMK, juste pour le muscle. Ah, il est costaud aussi, hein. Ouais, toi aussi, ça va. Et moi, les gars, et moi. Alors, c'est le moment où vous allez devoir trouver le gâteau, d'accord? Il y a beaucoup de lieux magistraux très très beaux, très très nobles à Paris, c'est le cas ici. Ça me tient à cœur et aussi à des milliers de gens, c'est un art qu'on adore, c'est des lieux splendides ou en général d'ailleurs, vaut mieux pas trop faire de bruit pour respecter le silence et encore une fois la noblesse du lieu, et je suis très content. Allez, let's go! Je peux avoir l'honneur de le dire ? Trouvez le gâteau. Bonne chance. Ah, merci. On peut toucher ? Non, on n'a pas touché. Ah, on peut pas toucher. Ah, bah non. Attends. Il faut pointer. C'est qui ? Je veux savoir qui c'est avant. Non, je veux pas faire un truc pas bien, tu vois. L'étiquette est un peu décollée, c'est ça qui m'a induit en erreur. Bon, si c'est quelqu'un de respectable, je m'excuse. Ah merde ! Non, c'est pas ça. Ça fait un bruit. Non, c'est pas le gâteau. T'as croqué Émile Cartelac? Mais ça c'est des figurants. C'est des gâteaux. Ils sont là en train de bosser, faut pas les déranger. Moi, je t'ai dit, je te suis sur celle-là, je te laisse. Il reste 10 secondes, les gars, il reste 10 secondes. Pointe un truc, je te suis. Il les sent. Bon, je le fais, vas-y. Là, la petite trousse, là. On la croque à deux. Ouais, on la croque. C'est pas un gâteau, ta trousse. C'est reparti pour 30 secondes, messieurs. Gros, c'est... Y a trop de choses. Chut, Georges. Mais par rapport à... Tu peux le donner. Si t'as le N01, tu peux pas avec le PGD et le PGM. En fait, y a une confusion qui est pas possible sur la... Je parle de la comparaison de la carte génique, hein. Tiens, ça t'intrigue pas? Messieurs, 10 secondes! Attends, mais c'est... Ah non, elle bouge. Parce que là, ça aurait été fort. Ah, je suis content qu'il galère un peu, quand même. Croquer! Y a un liquide qui coule et tout, je suis obligé de croquer? Oui, bah c'est bien fait, elle est très forte, Red Rose Cake. Non, mais c'est bon, t'as vu que c'est pas ça, là, lâche-le. Excusez-nous, hein, tous les étudiants de France. La jeune fille a dit un peu moins de bruit. À mon avis, c'est dans les livres. Puis-je dire un indice? Indice. Pas d'indice. Ah, bâtard. Regardez deux. Ça a été touché par des dizaines de gens. Oh, ça a été... Mais oui, ça a été touché par des... Oh, non, ce que je viens de faire, c'est abominable. J'enlève mon ADN, que ça finisse pas sur une scène de crime. Il va te donner un indice qui est le principe du jeu, regarde bien. Okay. Peut-être qu'on a glissé un gâteau ici. Ah, les bâtards, et nous, on écoute en plus. J'ai un indice, s'il vous plaît. On n'en veut pas de ton indice, on l'a trouvé comme des gonds, c'est bon. Brum brum tuning. Il y a une pomme, et tu bouffais une pomme tout à l'heure. Sa pomme, il l'a laissée dans le van, dans le porte-gobelet. Chut. Oh, il s'est pris un chute. Oh, ça va, toi, hein? Oh, y'a un problème? Laissez-le faire, laissez-le faire. Tu peux pas faire ça. Mais ils étudient pas, là, tu vois pas, il fait semblant, ça se voit, lui. Ils sont tous agressifs, faut surtout ça avec vous allez me rendre dingue. Il est vraiment en train de perdre un peu les pédales. Est-ce que vous voulez un indice? Parce que. Non, on veut non plus. Mais c'est bon, vos indices à la con, là. Dis-moi par où c'est, frérot. Dis juste un signe de tête, je comprendrai, vas-y. En fait, il y avait des trucs qui m'attiraient, et quand je les regarde 5 secondes, je me dis, pas du tout. Les garçons, l'indice, après l'effort, le réconfort. Et si je veux développer un peu, là les gens étudient, parfois tu prends... Une pause. Oh non. Elle est très menaçante, je pense qu'elle protège un truc. Comment t'as le réconfort? C'est quoi le réconfort? Genre un café, un truc comme ça? Non, parce qu'il y a de la poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Il check les fils, il est là, check le sol. Excusez-moi, vous travaillez sur rien? Ils ont dit après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce qui te réconforterait? Là, donc là, un café. Ils sont dans l'effort. Un café, moi je dirais. Bon, vas-y, je le croque. Les gars, c'est reparti pour 30 secondes, la réflexion est bonne. C'est bizarre parce que tout ce qui est là fait assez ancien. C'est tellement long que je cherche juste à savoir à quoi correspondent les lettres GMK. C'est mon petit jeu. Moi, je veux goûter le casque. General Motors Kardashian, vas-y. Moi, je pointe ça. Mais vas-y, les gars. Ah non, c'est pas ça, mais bon. Par contre, tu lui expliques que t'as croqué dans son casque. La demoiselle est last deg. Bah quoi, on cherche un gâteau. Après l'effort, le réconfort, ce que je te dise, moi, le seul indice de merde qu'on a eu, c'est ça. Attends, l'indice, t'as dit quoi? L'indice de quoi? L'indice de merde. Les gars, je le retiens, je fais heureusement, max. Hey, heureusement qu'il est là, gros. On a gagné et c'est même pas le plus ouf des deux. Ça peut pas être une partie de ça. C'est pas réconfortant, un dinosaure. Guttural, Mami Kong. T'as besoin d'une pause. Café. Mais non, mais là, vous êtes sur la bonne direction. Mais oui, mais la machine, j'étais, moi. Reste focus, Gilles-Marc Kabil. Vas-y, je pointe les gobelets. Il l'a transformé en gâteau. Pour lui, tout est un gâteau. Guénolé Mohamed Kerastase. Non, mais gros, il y a... Avec grand Manitou croustillon.
Ah, le mec se tourne contre moi, ok, d'accord. Franchement, il y aurait eu un chiotte, j'aurais croqué. Parce que, vu les tordus que vous êtes, je me serais dit, c'est le chiotte. Goule molle KFC. Croque et tout. Glucide. Tu veux que j'en mette un chassé? Ouais, mets-lui un coup, là. Croque et tout. Croque et tout. Un endroit où jamais on a envie d'aller manger. Frérot, une tasse de café ou un truc qui est dans une poubelle? Un truc qui est dans une poubelle? Parce que c'est des sadiques, ils ont mis un truc dans la poubelle, c'est sûr. Raphaël Sadik, très bon artiste. Extrait. Oh, moi j'y vais pas. Je te laisse y aller, c'était ta théorie. Croquer. Non, non, non. C'est pas ça. C'est ça? Mais non, c'est pas ça, c'est pas un gâteau. C'est un gobelet qui a depuis combien de temps alors? Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je te jure, c'est une feuille qui fond. Ça, c'est un gâteau. Ça, c'est un gâteau. Je suis outré par le niveau là. Bon. C'est sucré, hein? Dans les trois vidéos qu'il y a eu, je crois que c'est le plus ouf. Et c'est un gobelet. Ah, t'as checké. Bon. Il a checké Jordan avant moi. On vous a troll, hein, c'est juste un gobelet depuis tout à l'heure. Non. Le bruit, tout est un gobelet. Tout est un gobelet. Absolument tout est un gobelet maintenant. Comme gâteau d'anniversaire ne n'offrait pas ça forcément. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on a égalité? J'essaie de tricher un peu, tu vois. Ouais, c'est une égalité avec nous largement devant. Allez, on va passer au prochain lieu. Bravo les gars, c'était extrêmement fort. Il m'a énervé, je prends son ordi. Vous savez quoi? C'est comme ça que ça se passe. Moi, je n'irai jamais à l'encontre de GMK. Qui veut un petit M&M's? Vas-y, on veut un petit M&M's, hein. Mais non, jure-le. Ah là, il a son plaisir parce que depuis le début, il voulait goûter un vrai truc. Gros, c'est incroyable. Ça vous a eu un petit peu? Ah non, mais ça m'a eu complètement, tu rigoles? Non, mais regarde le niveau de détail, s'il te plaît, là, de l'écriture. Ouais, lui, c'est vraiment, voilà, c'est pas le gobelet, quoi. Il est toujours en somme de gobelet, là. Il est encore là, j'ai pas avalé encore, il est coincé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est en warning? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, on est dans la merde. Problème avec la location des véhicules. Oui, mais j'étais si content qu'il se passe tout bien. Tu sais qu'un tournage sans problème, c'est pas un bon tournage. Ok, bon les gars, faut que vous descendiez. Et on va au spot à pied? Non, c'est un peu loin. Pourquoi il y a un... C'est pour nous la police, c'est sûr. Avec la poisse qu'on a, on va se faire arrêter en plus. Quentin, une solution, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on attend juste là, comme ça là? Allez, on n'apprend pas aux vieux singes. Ça va peut-être déranger les gens, non? Bonjour. Mais on fait quoi en fait, frérot? Je sais ce qu'on fait. On trouve le gâteau maintenant, voilà, ici. Et c'est parti. C'est beau, ça. C'est parti. Alors, fais juste gaffe, parce qu'il y a des gens qui bossent, quand même. Mais vous bossez réellement? Attends, faut être bon, faut se dire. C'est beaucoup plus dur que ce matin, je trouve. Ça me rend fou de savoir, est-ce que c'est des comédiens ou pas? Hop, pointez quelque chose, maintenant. Putain, j'ai rien, je suis trop choqué parce... Quoi, David, quoi? Ça. Et non, c'est un étau. Vas-y, refais. Attends, faut que je me concentre. Carl, sous une voiture. Attention, le monsieur, peut-être un gâteau, là, qui travaille sur la roue, je sais pas. Vraiment, ce long manche, ça te parle pas, ça? J'ai envie de croquer le pot d'échappement. Le goût du pot d'échappement, il est comment? Est-ce que c'est sucré? Non, mais là, okay, bon. Un goût bien pot d'échappement, bien filtre à particules. David, à vous, c'est dur de fou. Putain, c'est très dur. Je tente. Vas-y, tente. Allez, croque-moi ça. Oh, j'ai vu la lune en plein jour, frérot. Putain, merde! Mais c'était trop cool à croquer! Oh, j'y trouve! Je pointe! Il y a deux clés dans la voiture. J'y ai cru! Putain, Carl, c'est bizarre ça aussi! De quoi? Qu'est-ce que ça fait des trucs de peinture là sur une voiture? Le rouleau de peinture, moi j'aurais tenté, hein. Ça peut être un fraisier. Vas-y, à tout moment. Croque dans tout. frérot, t'as avalé des morceaux rouges. Allez, ça y est, ça m'excite, ça m'énerve. Bonjour. Allez les gars, on sort une clé de 12. On essaie de foncer un petit peu les pneus sur la bracam là. Est-ce qu'il faudrait pas pointer un petit truc, j'imagine, peut-être, hein? Ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y, tente, hein. Croque le moteur. Et non, malheureusement. Oh, j'ai plus le bloc, tu as dit. Je peux pointer marteau? Ça, c'est bien. Je pointe marteau? Personne n'utilise des marteaux comme ça sur les voitures. Allez, croque le marteau. Oh non. Ça fait juste mal. La gourde, t'as fait? Non, j'ai pas fait la gourde. Gourde. Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau? C'est simplement une gourde. Vous avez un gâteau par ici, monsieur? Là, j'aime bien, ça fait très très fort, là. Ouais. Petit indice? Ah bon, déjà? Vous êtes mauvais, c'est tout ça. Oh, c'est bas. Je pointe l'huile. Bois de l'huile, vas-y, à pleine bouche. Croquez l'huile. Oh.
Putain, cette scène. On croque des trucs. Cette scène, elle est folle. Là, t'as bien fouillé là-dedans? Tu veux pas croquer le plus et le moins de la batterie en même temps pour voir ce que ça fait? Est-ce qu'on peut arrêter de pointer et croquer plein de trucs? Croque tout, allez, on croque tout, mon frère. Ils sont en train de craquer. On peut aller se prendre un café pendant ce temps, nous. Je pensais pas qu'elle l'aurait aussi bien. T'as vu la dinguerie que c'est ou pas? Il crie, il pète les plombs. Il pète les plombs, ouais. Le duo est en train de se terminer sous nos yeux, là. Écoutez-moi, un vrai indice. GMK a proposé ce vrai indice-là. Conteneur. C'est un conteneur. Quelque chose qui contient quelque un chose. Un contenant, donc, pas un conteneur. Un contenant, ouais, bon. Mais c'est le mauvais mot. Un mais c'est le mauvais mot. Il nous donne le mauvais mot. Un conteneur, c'est les trucs sur les bateaux. Allez, vas-y, croque tout, mon frère. C'est pas mal, ça. Oh. Oh, ça sent pas bon, ça. Essaye ça, moi j'essaye ça. Gros, tu peux pas croquer là-dedans, c'est dégueulasse, frère. Mais frérot, là, c'est un truc pas hygiénique, frère. Hein. Putain. Vas-y, recule ça. Moi, ça me fait bader qu'il mette sa bouche là-dedans, frère. Vas-y, fais voir. Ah, le con. C'est ça. Putain, c'est pas vrai. Mais c'est du génie. Ouais. Mais vous êtes trop fort. Oh, bien, on va bouffer ce gâteau. Là, c'est une vraie dinguerie. Viens, on croque tous ensemble. Ouais, vas-y. Oh merde! Est-ce qu'il y a un couteau pour qu'on le coupe en deux et qu'on voit ce qu'il y a dedans? Ça, c'est bien. Très bonne idée, bravo! Le coup du sous-marin qui pète! Non mais frérot, ça a l'air répugnant. Ça a l'air répugnant, je me suis dit si je alors que regardez, c'est du gâteau. Et tu vas voir, au milieu, à mon avis, c'est un truc de ouf. Coupe-nous une tranche de saut. Oh, voilà! Oh la dinguerie que c'est! Attends. Tiens, tu voulais une part? J'ai l'impression d'être, tu sais, dans Astérix, le gâteau à l'arsenic là. Oh là là, ouais, exactement. Tu vois? Il est incroyable. La taille de cette part. Franchement, je suis content parce que j'ai un peu pris ma revanche et maintenant, ça y est, j'ai plus de rancœur envers vous. La performance de Red Rose Cake est incroyable, mais attendez de voir notre deuxième gâteau. Oui. On attend de voir. Et là, on attend littéralement du coup. Là, ça bouge. Ah, je pense qu'il faut aller sur le lieu. Hein. Ah, bah, laisse-moi, on y va. Ah, mais il faut prévenir parce que si t'expliques pas. Les gars, tout ce qui se passe est génial. Ce qui va se passer là maintenant, c'est moins bien. C'est un gâteau, ça. Frérot, ouvre-la vite, s'il te plaît. Je n'ai pas du tout l'odeur, mec. Voilà. Oh, on dirait un paix, mais qu'a fait l'armée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est plus fort que les autres. C'est un légionnaire. Let's go. Allez, let's go. On est où, là? On est où? Messieurs, vous savez à quel point j'aime le sport en général. Et il y a un sport qui a fait mon enfance, j'en ai fait pendant 10 ans. C'est un sport que j'adore, qui est très bon pour le dos et pour la santé en général. Bienvenue dans cette magnifique piscine, messieurs. Venez par là, trouvez le gâteau. Allez. Tu veux partir sur quoi, frère, ce que là? Mais là, c'est tout l'espace. Bonjour. Ah, je la reconnais. T'as la figure, c'est génial. C'est de la bibliothèque. Il vous reste déjà 10 secondes, les amis. 6, 5... Vas-y, on va là-dessus. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tout ce qui est là, c'est très coloré, c'est fait exprès pour nous attirer. Ils le trouveront pas, celui-là. Et 5... 4... Le bonnet, on tient quelque chose. Mais quoi? Ah, n'importe quoi, vous venez d'arracher un bonnet. Ils essaient de nous convaincre. C'est le mec qui était agressif tout à l'heure. Il reconnaît les figurants. On est dans un monde parallèle. On va prendre de la hauteur. Les gars, faut pointer là-haut. Attends, on admire le dieu grec. Vas-y, le rapport. Voilà. T'es pas un gâteau. Bon, attends, mais il y a trop de trucs, il y a même des trucs ouverts et tout là-bas. Non, c'est trop, là. Oh, un bon vestiaire puant. Non, mais ils sont trop forts, en vrai. Tous les autres sont fermés. Mais non, t'es marre. Il y en a trop d'ouverts, là. C'est trop. Ah, on va galérer, là. À mon avis, c'est un truc dégueulasse. J'aime voir les figurants, à quel point ils s'appliquent. Surtout ceux-là. Ah, non. Putain. Ils vivent leur meilleure vie. Ils sont juste en train de kiffer, là. Là-bas, il y a des trucs. Voilà, là, pourquoi il y aurait ça, comme ça? Mais oui, ça, c'est bizarre, tu vois. Pourquoi ils ont installé une lumière? Ils ont installé une lumière exprès. C'est ici. Ou alors c'est une diversion, mais je pense pas. Mais ça me paraît tellement... Non. Il est neuf, regarde. Il y a encore le film. C'est pas ça? C'est obligé que c'était un piège. Il y a rien en haut. Ça sent pas bon pour vous, les gars. Attends, le ballon. Faut croquer, hein. Oui, on va croquer le ballon, là-bas, qui est un gâteau. Attention, ça pointe et ça croque. C'est ça. Il est bizarre, ce ballon. Oh là là. Il a deux sifflets, pourquoi il a deux sifflets? Excuse-moi, pourquoi t'as deux sifflets? Parce que j'ai un pote à moi et il va te fumer la gueule. J'ai envie de croquer son téton. Maintenant il est à moi. C'est hyper bien vu les gars, vous gérez parfaitement. Il est où le gâteau? J'ai tenté. Est-ce qu'un indice peut vous rendre plus léger? Vas-y, c'est quoi l'indice? L'audace paye toujours. Je trouve
que leur attitude n'est pas dans une recherche là, vous y allez pas. Ouais, là. Ouais. Allez, les gars, moi j'y vais, avec une petite musique un peu dynamique. Je vais trouver le gâteau, c'est bon. Regardez l'argent public, il est croqué. C'est tous les mêmes, les verres, c'est mort. Les garçons, par contre, je vous ai donné une phrase, vous la prenez pas en compte. L'audace paye toujours. Eh, je vais foutre à l'eau, c'est bon. Moi, j'aime ce que je vois, et toi? J'aime beaucoup ce que je vois. 5 secondes avant croquage, Jordan, 5 secondes! Allez, croque! Regarde ce moment! Oh, c'est beau ça, c'est beau cette scène. Ça peut être le chapeau du gars. Frérot, à mon avis, c'est un des bonnets. C'est un des bonnets des personnes qu'elle a, j'en suis sûr et certain. Vas-y là. Il donne des coups de dents. Ah non, merde, c'est pas ça. Ah, c'est lui. Regarde. Venez. Venez. Regarde. Oh, incroyable. Il a un goût de fou. Ah ouais. Ah gros. Oh oui. Wow. Oh là, il est dingue. Il est bon, mec. Oui. Tu l'as goûté, là, aujourd'hui? C'est incroyable. Cette scène, actuellement, là, qui se passe. Mesdames, messieurs, merci, hein. Cette moustache est un gâteau. On a hésité à faire de mon ongle un gâteau. Je sais pas si quelqu'un veut zoomer. Aucun créateur, aucune créatrice de gâteau qui a voulu faire ça. On va aller au dernier gâteau. Cette fois-ci, ça va être du gâteau. Qui a fait ça? Eh oh, oh. Un gâteau de chaque côté. On est 2 contre 2. C'est l'étape finale. Et là, c'est la prod qu'a choisi. Ok, moi j'ai une chose à vous dire. Je pense que David sera d'accord. Je suis totalement d'accord. Trouvez le gâteau. Le gâteau. Là ouais, regarde, Georges, il a compris, il est dedans là. Trouve le gâteau. Là, c'est maintenant. Il a pointé mon c'est ma bague de mariage. Pointé. Pointe. Il s'est pointé lui-même. Il s'est pointé lui-même. Eh, c'est pas mal. T'imagines, on a prévu avec la prod que tu deviennes un gâteau. Mais c'est quoi cette manche sortie de nulle part là d'ailleurs? Lui, il va être sur les points. Regarde-le. Ah, oh, joli. Là, il a enlevé le point. Joli. Là, tout est flou là. Il est trop excité, il est dans la config. Lui, il gonfle les bibis, on sait pas pourquoi. Non, je regarde. 3, 2, 1. T'as vu quelque chose? Allez, croque. Ah, il a. J'ai envie de le laisser. Il est vraiment sous nos yeux. Je peux donner un petit indice? Georges, t'aimes bien ça à toi. Quand tu te lances dedans, c'est très kiffant. Les montres? À ta montre? Je sais pas, faudrait essayer de croquer pour voir. Croque. Croque le bracelet, frérot. Pas après moi, tu vas choper un sale truc. Oui? Est-ce que c'est mortel? Il est quelle heure, s'il te plaît? Oh, bah, je ne sais il pas. Il est croque-moi 4. Elle a le même goût que la roue de la table de ping-pong. Vraiment, on dirait qu'il y a un corbeau qui t'a chié sur la main. On est à la dernière manche. On n'est pas n'importe où, je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est une collab avec M&M's aujourd'hui. Et je me suis dit pour la fin, peut-être qu'il fallait faire un truc un peu en rapport avec M&M's. On s'est dit rentrer dans un paquet. Techniquement, c'est compliqué. Moi, à la limite, ça passe. Essaye. Je vais aller voir ce qui se passe derrière. On va devoir tous les deux, contre vous deux, trouver un gâteau. Le duo qui trouve en premier gagne. Je me suis pas spoil. Vraiment, cette épreuve, les amis, elle est folle là. J'y vais. Messieurs, rentrez pour l'étape finale! Ah ouais, c'est incroyable! Toute cette épreuve finale qui est folle, on l'a pensée avec M&M's, mais pas que. Vous voyez derrière, Disneyland Paris, parce qu'ils sont partenaires officiels maintenant. Il faut savoir qu'il y a une période qui est méga importante pour M&M's et Disneyland Paris, c'est Halloween. C'est pour ça que vous avez reconnu un petit peu la déco, je pense que ça se voit un peu sur le thème Halloween. Et d'ailleurs, depuis cet été, M&M's est dispo dans toutes les boutiques des parcs Disneyland Paris. Merci M&M's d'avoir sponsorisé cette vidéo, on a pu faire une dinguerie, un épisode 3 de Fou Furieux, mais il est temps de passer à l'épreuve. Let's go! Les paquets, ils sont là. Ouais. C'est des paquets M&M's géants. Une main innocente. Qui est la petite main innocente? Oh, c'est McFly, clairement. Bon. Oh non, Georges. Ça va définir quel salon on a, nous, la rouge. C'est quoi ma couleur préférée? Nous, on est de ce côté. Jaune. Là, ça va être un relais. On fait un volet? Un relais. Ah. Peut-être que je prononce très mal les R. Déjà, tu dis quinquin. C'est vrai que je dis quinquin. Ça dérange quinquin? On va y aller chacun notre tour. Tu peux pas voir ce que je fais, moi. On a 10 secondes dans cette pièce, chacun, pour pointer quelque chose et le croquer. On peut rien témoigner à l'autre? Non. Ah! Qui va en premier chez vous? Je pense que c'est les deux crânes d'œufs. J'enlève la casquette pour l'occasion. Oh la vache, on l'a jamais vu comme ça! T'as un visage de bébé sur un corps de titan? Bébé cadom! Ça, par contre, là, plus jamais ça. Non, mais il veut me déstabiliser, il veut rentrer dans ma tête. C'est pas grave, non, mais non, tranquille. Et bah, les gars, dès que vous rentrez, vous pourrez bien fermer la porte. Bonne vous. Chance. Bonne chance, mon loulou. Je reconnais ça. Allez! Allez, mon frère. Vous êtes prêts? Ouais! Go! Oh putain! Oh, c'est beau de ouf! Regarde pas, hein. Non, je te regarde toi. Tu regardes dans les yeux, je triche pas du tout. Stop. Revenez. Je croque. Croque. Croque qui revient. Okay. Mais là, il triche, non? Ouais, là, ça fait longtemps, là. Faut qu'il sorte de cette pièce. Ça fait 30 secondes, hein.
Ok. Tricheur, t'as croqué combien de trucs? Non, 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 non. T'es resté 30 secondes, gros. Bonsoir. Ça, ça veut dire que c'est pas à gagner. J'aurais crié si je l'avais eu. À vous, les gars. Quel tricheur à chaque fois, celui-là, c'est pas possible. Carl, faut sortir. Mais t'es vraiment un tricheur, hein. J'adore ça. Mais non, bah non, bien sûr que non, bah non. Très belle épreuve finale, bravo. Ah, ça me fait plaisir. Oh là là, on y prend vous, là. Putain, c'est le meilleur truc du monde, mais ça me ouf. Moi, je crois que j'ai vu. C'est-à-dire, là, quand je vais rentrer, tu vas voir. Oh, j'y croyais. Fuck, apparemment il l'a à 99% là. Ah les enfoirés, ils l'ont pas en rouge exprès. Non, je me suis trompé. Bah. Ce jeu est génial, c'est le meilleur jeu du monde. Ouais, je remets ma casquette, j'ai un peu le seum. Ouais, on... Gros, fais-nous honneur, s'il te plaît. T'inquiète. Oh, j'y cru. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est trop dur. Oh ! Oh, mais tu vraiment fais mal, là ! Je suis vraiment fait mal ! On doit croquer dans un nombre de trucs dans cette journée, putain ! Non, je vois pas ce que c'est. Ça fout les nerfs, quand même. Ouais, mais c'est pas kiffant, tu l'as, le côté kiffant et addictif ? C'est excitant et en même temps énervant, tu vois. Regarde, t'as pas le temps, regarde, il crie, j'entends sa voix, elle me hante. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? T'es énervé? C'est quoi ce regard? Le goût de la peinture est immonde. J'aurais peut-être fait un truc comme ça. Oh, ça fout le somme. Oui? Qu'y a-t-il? Non, mais... T'as vu, on sort comme Attends. Ça! Il n'y a aucun gâteau dans cette pièce. Hein, frérot, si c'était un prank et qu'il n'y a pas de gâteau et que tu veux juste des rushs de nous qui croquons des télécommandes et des radios et des canapés, vraiment, je vais t'en vouloir. T'as croqué des télécommandes? Eh oh, pas d'indice caché, là. Allez, David. C'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Non! Tu vas te casser le peu de dents qui nous reste, frérot. 10 secondes, c'est vraiment le bon timing, c'est fou. C'est horrible, t'as pas du tout le temps de réfléchir. Ah ouais, vraiment. T'es obligé d'y aller et croquer, quoi. Mais j'espère qu'on croque pas les mêmes trucs depuis tout à l'heure en boucle, hein. Oh, je l'ai! Je l'ai! Ah! Je l'ai, gros! Mais non, c'était ça? Let's go! Oh, mec! Vas-y! Oh là 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 ça. C'est quoi le siège de cousin? Ouais. Wow. Oh la vache. J'ai voulu le prendre, j'ai dit il est lourd de fou. Bravo les gars. Magnifique. À aucun moment je me serais douté que c'était ça. J'aurais jamais cru dire ça, mais ce cousin est très bon. Alors venez, on va chercher le nôtre tous les quatre. Je suis passé devant tellement de fois. Allez, venez là. On y va, on croque tout. On croque tout. Elle est belle votre pièce jaune aussi, hein. L'ordinateur. C'est non. Mais il est dur le nôtre. C'est hilarant qu'on trouve pas les gars. Je viens fou. C'est fou qu'on trouve pas les gars. Je l'ai. Mais non. Oh, c'était ça. C'était quoi? Un stylo. C'était Oh, c'était si fin et intelligent, putain. Les rouges ont gagné. Putain, bravo les gars. Le coussin. Bien joué, le coussin. Je tiens à big upper la conceptualisation parce que c'est très cool ces pièces là. Là, tu vas sortir une vraie parle. Ouais. Oh. Voilà. Oh, mec. Faut pas perdre, c'est attention. Oui. Vous avez un croc du futur. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma gueule aujourd'hui, les gars? Je trouve ça plus dur pour vous. Le rouge, il est plus sombre. Non, non, David, c'est grave. C'est pas? D'accord. Tu peux pas dire qu'un truc si gros, c'est possible, frérot. David, c'est fini le jeu. On se quitte en chanson? J'ai fait 6 ans de guitare avant de me lancer dans les voitures. Bah, ça se voit comment il la tient.
C'est pas joué du tout, du tout. Parce qu'elle est pas assez serrée, c'est tout. Elle est pas assez serrée. Serrée. Allez, 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 merci à tous de regarder cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ou pas. Ouh, bien sûr. Merci beaucoup, M&M's.